pas la fille de l'école, mais moi, je suis pas con. Voilà. Arrivé ici. Brasé! 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 Allez! Brasé! Brasé! C'est quoi celui-là? On va s'activer ce bazar, très bien. Et nous, ce qu'on veut, c'est monter. Ceci, il faut prendre la grosse passerelle qui est là. Pour aller de l'autre côté. La forme aussi grande, vous vous en doutez, il va y avoir un petit combat. Pas normalement. Allô? Ah, voilà. Et on continue. C'est un vrai petit labyrinthe, on ne connaît pas, mais une fois que vous avez bien fait le tour, vous vous habituez. Là-dessous, c'est pas du tout ce que je veux.
Là, ce que vous pouvez faire, c'est que deux. Ouais. C'est comme ça. Voilà, donc le G. On va arriver ici. Voilà. Et voilà. Bien. Je vois que l'accès est enfin apparu. Oui. La serrure des ténèbres. Bien, s'inquiète pas. Si vous l'ouvrez, double voix. Les cent cœurs envahiront ce monde. Quelle importance. Les ténèbres n'ont aucun pouvoir sur moi. Je me servirai de leur puissance pour régner sur les mondes. Quelle assurance. Oh. Oh, c'est impossible. Toutes les princesses de cœur sont ici. C'est sa faute. Sans son cœur, elle ne pourra jamais libérer son pouvoir. Les fous du roi sont là. Je vais m'occuper de moi-même. Reste ici et surveille les princesses. J'aime bien, elle s'inquiète pas, il est devenu complètement différent, il a une double voix le truc. Tout va bien. Je crains que vous n'arriviez trop tard. D'un instant à l'autre, la dernière serrure va céder. Ce monde sera plongé dans les ténèbres. C'est inévitable. Nous empêcherons ça. On n'a pas fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. C'est hors de question. Pauvres fous ignares. Vous croyez pouvoir me battre? Moi, la maîtresse absolue du mal? La dernière fois que je l'ai affronté, il y avait un gros bug. Je pouvais, voilà, faire ça. Ça va. Allez, prends ça. Ça suffit. Je crois qu'il y a un gros bug. Et toi, de destruction. Ouais, on va voir tout ça, on n'est pas censé le programmer. Oh là, merci vieux. Découvrez le vrai sens de mon peur. Venez. Allez. Étoile de destruction, abattez-vous! Oh putain! Évidemment. Ah, quand même! Ça le fait! Ragnarok. Oh, la serrure. Ça ne marchera pas. La serrure n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on peut faire? On devrait peut-être réveiller Kairi. Oui, tu as raison. Si on arrive à libérer son cœur... Mais comment? Une Keyblade qui ouvrirait le cœur des gens, je me demande. Mais Sora... Attends! Fais pas ça!
tombe. Je tombe dans les ténèbres. Sora, tu es vraiment... Non, c'est impossible. Je ne le laisserai pas partir. Oh, vous vous êtes finalement réveillée, princesse. La serrure est enfin complète. Vous avez joué votre rôle, mais c'est terminé. Je me souviens pas de cette scène. Accueillez-le, parfait ! Mais attends, tu crois qu'on pourra l'arrêter tout seul ? Je sais pas. C'est impossible. Ah si, oui. Non ! Je refuse de faire ça pour vous ! Riku ! Vous devez partir ! Les Sans-Cœurs arrivent ! Sora, est-ce que c'est toi ? Oh oui ! Cette fois-ci, je te protégerai. Sora ! Pas de protection. Jaïri ! Kairi, merci. Sora. Sora! Ah non. Partez, maintenant! Viens avec nous! Je te l'ai déjà dit, je ne partirai pas sans Belle. Alors partez! Les Sans-Cœurs arrivent. D'accord. Allons-nous-en d'ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc les ténèbres se répandent par cette serrure.
Ce n'est pas étonnant qu'il y ait de plus en plus de sans-cœurs. Le seul moyen de les arrêter, c'est... de sceller la serrure. Peut-être, mais personne ne sait ce qui se passera une fois qu'elle sera scellée. Faut pas rester les bras croisés. On doit intervenir. Mon ami est toujours là-bas. C'est exact. Tu dois te soucier de ton autre ami. La Keyblade de Riku a dû naître du cœur des princesses captives. Tout comme la serrure que tu as vue. Bien sûr, sans le cœur de Kairi, elle restait incomplète. Une fois cette Keyblade détruite, le cœur des princesses aurait dû être libéré. Ne t'en fais pas, Sora. S'il y a quelqu'un qui peut sauver ton ami, c'est toi. Sid, je dois retourner à la forteresse oubliée. Ce n'est pas une bonne idée, petit. Les sans-cœurs se multiplient à chaque seconde. Ils dévoreront ton vaisseau. Alors que peut-on faire? C'est simple, les contourner au lieu de les affronter. Installe un nouveau Navigumi et prends un autre trajet. Un nouveau Gumi? Où ça? Dans le canal secret. Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je l'ai gardé ici en cas de besoin. Tu peux pas me le filer avant, non? J'aurais jamais cru qu'il servira à un gamin. Je t'emmerde, mon petit père! Du coup, dans le canal secret. Allez au fond, et voilà! Navigumi. Allons rejoindre les autres. On devrait se reposer. D'accord. Et une dernière petite scène. Une lumière. Au bout du tunnel. Oh, l'histoire de ta grand-mère, c'est ça? C'est ça. On était ensemble. Tu sais ce qui est drôle? Je t'ai cherché partout, alors que tu étais tout le temps avec moi. Et finalement, on est réunis, Kairi. Maintenant, il faut que l'on ramène Riku. Tu crois que ça pourra redevenir comme avant entre nous? Riku a perdu son... Quand je me suis transformée en sans-cœur, tu m'as sauvée, tu te souviens? J'étais plongée dans les ténèbres, comme une chute sans fin. Tandis que je tombais dans ce gouffre, j'oubliais des choses comme mes amis, qui j'étais. Les ténèbres ont failli m'engloutir. Mais là, j'ai entendu une voix. Ta voix. C'est toi qui m'as ramenée. C'est vrai, je ne voulais pas t'oublier, Sora. Je ne pouvais pas. C'est ça! Nos cœurs sont connectés. Et la lumière qui en sort a traversé les ténèbres. J'ai vu cette lumière. Je crois que c'est ça qui m'a sauvée. Quelle que soit l'immensité des ténèbres, une lumière y brille toujours. Ça doit être bien plus qu'un simple conte de fées. Eh bien, allons-y! Tu ne peux pas venir. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Allez, Sora. On est arrivé jusqu'ici en faisant équipe. Tu ne peux pas y aller seul. Kairi, même si on est séparés, on n'est plus seul à présent. Pas vrai? Je peux pas aider? Tu me gênerais plus qu'autre chose. D'accord. Oh putain, elle prend bien. T'as gagné. Prends ceci. C'est mon porte-bonheur. T'as intérêt à me le rapporter. Ne t'inquiète surtout pas. C'est promis? C'est promis. N'oublie jamais. Où que tu ailles, je serai toujours à tes côtés. Et voilà, tant de promesses. Une des meilleures Keyblades du jeu. Sora, Kairi, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une des scènes qu'on n'avait pas avant, ça. Est-ce que là? Ah, c'est Ryu. Tu vas prêt? Pas encore. Pas avant d'avoir revu Sora et Kairi une dernière fois. Où est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il lui parle? Je serai bientôt là. Yes. Je détiens l'autre qui... Ah oui!
l'autre Keyblade, celle qui appartient à son. J'ai essayé de te parler, mais les ténèbres dans ton cœur m'ont repoussé. Qui es-tu? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Mon cœur l'a emporté sur les ténèbres, mais il est trop tard. C'est pour cela que tu es ici. Dans ce lieu sombre où les cœurs sont rassemblés. Que dois-je faire? La porte des ténèbres s'ouvrira bientôt. Mais nous ne pourrons pas la franchir. Il faut la fermer des deux côtés. Pour ce faire, il faut deux clés et deux cœurs. Mais peut-être ils disent qu'ils pour la même raison que moi. C'est peut-être le destin. Oh, c'est gnangnang au possible, j'avais oublié, putain. D'accord. Ouais, du coup. Tant promesse, meilleure attaque. Et un meilleur style visuel surtout. Voilà, une petite keyblade blanche. Et voilà ton avis Gumi. Je l'ai trouvé très bien, je vais préparer ton vaisseau. Ah bah c'était rapide. Je pensais qu'il y aurait une scène quelque chose, c'est fait, tu peux partir quand tu veux. Petit, je dois avouer que je me fais du souci pour toi, on peut pas faire. Bon, et du coup, c'est parti, on rejoint la forteresse oubliée. Et nous voilà avec les princesses. Sora, dépêche-toi, les ténèbres se répandent par la serrure. On fait notre possible pour contenir les ténèbres. Je n'ai pas combien de temps pour résister. Très bien, j'y vais. En comptant sur toi, maître de la clé, nous ferons de notre mieux. D'accord, on va y poser. On peut la rater, hein. Allez!
Merci Dieu. Ça a l'air malin. Allez. Soin. Soin. Prends ça. Merde. C'est ma faute. Non, voilà, vous voyez pas bien. Allez. Ça suffit. Soin. Donald. Dingo. Merci vieux. Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu avec le vaisseau de Cid. Nous avons passé notre enfance ici, on voulait revoir cet endroit. Il est dans un sale état, pire que je ne le craignais, ça n'a plus rien à voir. Ne t'en fais pas. Si nous battons en scène, tout redeviendra comme avant. Même chose pour votre île. C'est vrai? Mais ça veut aussi dire qu'on ne se reverra plus.
Lorsque les mondes renaîtront, ils seront à nouveau séparés. Chacun retournera d'où il est venu. Alors je viendrai vous voir avec le vaisseau Gumi. Ce n'est pas si simple. Avant, tu ne savais rien d'autre des autres mondes, pas vrai? Car tous les mondes étaient isolés, les murs infranchissables et séparés. Les cinq cœurs ont détruit ces parois, et si les mondes renaissent, les murs réapparaîtront. Ce qui rendra les vaisseaux Gumi inutilisables. Tu veux donc dire que jamais nous ne... Même si on ne se revoit plus, jamais on ne s'oubliera. Peu importe où nous sommes, nos cœurs nous réuniront à nouveau. Et de toute façon, même si je le voulais, je ne pourrais pas t'oublier. Hé, hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dépêche-toi! Viens sceller cette serrure! Sora, bonne chance. Merci Sora, je crois qu'ici les ténèbres commencent à faiblir. Mais je sens que les ténèbres se rassemblent l'un de nous. Au cœur des ténèbres, c'est là qu'on s'est dû se rendre. Prenons le vaisseau Gumi et partons affronter en Sème et les 100 cœurs. Exantine, Sétine, maître de la Grimeille, nous t'offrons ce pouvoir pour t'aider dans ton combat. Sors du feu, Brasix. Sora, seul ton courage fera renaître notre monde. Bon, une fois les ténèbres disparues, tout devrait revenir à son état normal. Vous croyez que Kairi retournera sur lui? Certainement, et toi aussi. Je ne peux pas rentrer avant que d'avoir retrouvé Riku et le roi. Alors, il y a une dernière chose à faire avant de partir, il faut aller dans la bibliothèque. Parler plusieurs fois à mademoiselle... Je vais y arriver, Iris. Parce qu'elle nous donne le soin X, soin Max. Pas ici, je suis limite. C'est l'autre porte à côté. La voilà. Sora, tu devrais lire ça. Ça dit quoi? C'est ce qui reste du rapport d'Anselme, maléfique et dû le récupérer. Rapport d'Anselme numéro 2, numéro 4, numéro 6, numéro 10. C'est bon. Anselme a disparu quand son monde a sombré dans les ténèbres et on a cru qu'il était mort en protégeant les gens des cinq cœurs, mais c'est Anselme qui les a fait entrer ici. Anselme guette dans les ténèbres, mais voici une petite lumière pour te protéger, Sora. Sœur de la guérison, soin X. Merci.